Faut sortir plus vite!
Encore Hugo, avec Hugo derrière lui, encore, encore. Thank you.
Allez, Rémi. Restez dans votre ville, les gars, allez. Allez, 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 allez
Thank you.
Monsieur l'arbitre. Ouais.
Reculez le ballon, monsieur l'arbitre. Bah, il va le faire tout, tu vois, il va le faire tout seul. Donc il sait qu'il faisait mal. Mathias, Rémi commence à tirer. Allez, Martin.
monter, Geoffrey, fais monter. Et sortez, sortez. Allez Thibaut, hein. D'accord. Un jour.
changement. Voilà. On t'a encore vu, Fabien. 10. On va payer, celui-là. Il y a les sécurités. Le meuf, à tout moment, il peut marquer. Ah, Rémi, reste concentré, à tout moment, il peut frapper. Allez, allez, allez.
Inutilement, Jo. Pas de risque, jusqu'au bout. Allez. Tu sais le faire, en fait. Bon, allez. Vas-y, vas-y. Allez, collectif.
tout en ballon. Parce qu'il a mis un but, c'est le roi du monde. Allez, on voit le but, journal, on finit ça. Allez Rémi, 3 minutes gros, 3 minutes Rémi. Eh mon billet, on va remettre un deuxième là.
Mathias Tarapon. On vous le dit, cachez. Merci à vous. Très bon match. Deux. Allez, Hugo. Ici, allez. Bien joué, les gars. Bien joué. Jordan. Allez, mets ici. Allez, Gary. Allez, Quentin. Allez, Maxime. Allez, les gars. On va le télé. Hey, you, Rémi Bans. Félicitations, t'as pas pris de jaune. Allez, les gars, souriez. Bien joué, les gars. Bien joué, les jaunes. Ah, ils ont parlé. Mérité, autant on était au-dessus de l'adversaire, on a respecté les consignes. Le seul petit bémol, vous connaissez, le seul petit bémol, le dernier quart d'heure, a oublié. Le jeu individuel, c'est en dehors du stade Rousseau de Lignan-Cambrésy. On joue collectif de la première à la 90e, et là je suis en colère parce que vous n'avez pas respecté ça jusqu'au bout, et on s'est fait peur, et ça c'est de votre faute. Par contre, c'est la parenthèse, et je ferme la parenthèse, félicitations à tout le monde. On va jouer un troisième tour à la Coupe de la Coupe. Allez, cri de guerre, c'est parti! Il a marqué.
petit côté. Alors, comment ça s'est passé Comment ça s'est passé Comment ça s'est passé ce match? Un match un petit peu tordu, on a encaissé très rapidement, bêtement, suite à diverses situations gâchées par nos attaquants. On a su revenir très vite dans la partie, on est revenu à 1-1, on aurait pu revenir à mi-temps avec un ou deux buts de plus, on a su être patient, et en deuxième mi-temps on a su être un peu plus réaliste, et puis marquer le deuxième but qui nous a fait du bien. À la dernière minute, l'angoisse? Dernière minute, l'angoisse sur une mauvaise gestion collective. On encaisse un but bêtement qui, oui, dans le temps additionnel, nous fait reculer et nous fait vivre 2 minutes d'angoisse, en effet. Ça vous fait quoi aujourd'hui de voir votre club monter comme ça? Moi, je suis à l'origine du projet il y a 6 ans. C'est ma 7e année, donc forcément, très très heureux d'en arriver là. Maintenant, c'est étape par étape. On ne va pas se brûler les fesses, entre guillemets, comme on dit. Match par match, étape par étape. La semaine prochaine, on jouera un 3e tour de la Coupe de France. C'est la 6e fois sur 7 ans, donc c'est que formidable. Vous allez être un entraîneur heureux alors? Un entraîneur heureux, en effet. Merci. Voilà, comme vous pouvez voir, Ligny a gagné ici le match avec Bailliencourt. Je vous remercie d'avoir suivi ce match sur CodeRevision.fr, la web TV autour du CodeRevy. À très très vite et à très bientôt sur CodeRevision.fr, la web TV autour du CodeRevy. Ciao, ciao, soyez prudents, à bientôt.